Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounaise. Bien sûr, si t'es nouveau, nous humanitaire. Voici la belle réalisation de Kylian Mbappé au Cameroun. International français Kylian Mbappé a foulé ce jour pour la première fois le sol de son grand-père. Le buteur du Paris Saint-Germain s'est vu réserver un accueil digne de son rang. Pour les trois jours qu'il passera au Cameroun, l'un des meilleurs attaquants du moment a un agenda chargé. Il n'est pas prévu une rencontre avec le chef de l'État Paul Biya. Mbappé rencontrera le chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph Dion Butt. Il séjournera au village Noah et assistera à un match de gala. Même si le programme officiel de son déplacement ne l'indique pas, Kylian Mbappé a financièrement contribué à la réhabilitation de l'école des sourds-muets de Yaoundé de Yaoundé. Selon les sources, les travaux ont été supervisés par Yannick Noah, qui l'autre star franco-camerounaise, qui l'a d'ailleurs invité au Cameroun. Un programme chargé. Le capitaine de l'équipe de France, originaire du Cameroun, est attendu par les autorités camerounaises ce jeudi, dans le cadre de sa visite au pays de ses ancêtres. D'après l'agenda de cette visite annoncée depuis plusieurs jours, l'on apprend que la star mondiale du football séjournera et jouera un match à Etoudi, le célèbre quartier de Yaoundé, où se trouve la présidence de la République. Même s'il n'est très fort probable qu'il sera reçu à la présidence de la République, la présence de Kylian Mbappé à Etoudi s'explique par le fait qu'il séjournera dans le village Noah. Mais il disputera un match de football avec Vendée Etoudi, une équipe de deuxième division, dont Yannick Noah est le président. Le joueur de tennis est également le fondateur du village Noah, où le footballeur séjournera, un espace de tourisme et de loisirs situé au quartier Etoudi. Sur place, tout a été mis en place pour l'accueillir, nous apprend nos confrères de Radio France Internationale. Dans son pays d'origine, Mbappé participera au tournage du reportage Kylian Mbappé d'ici, et d'ailleurs, selon le synopsis du projet, s'agit d'un reportage sur l'un des plus grands footballeurs du siècle actuel, attaché à ses racines africaines. Kylian fera trois jours de tournage au Cameroun. Starmania, reçu comme un chef d'état, Mbappé détrône Samuel Eto'o, photo fermée les parenthèses. Comme annoncé, le joueur français d'origine camerounaise Kylian Mbappé est au Cameroun pour un court séjour. Il fut accueilli à sa descente d'avion par les autorités aéroportuaires. Le joueur de Paris Saint-Germain, dont le salaire est estimé à 75 millions d'euros, a eu droit à tous les honneurs dignes de son rang. Sur tout son trajet, les Camerounais venus en nombre se sont alignés pour le saluer. Kylian Mbappé a reçu un accueil digne d'un chef d'État. Seuls Paul et Chantal Biya reçoivent des accueils similaires lors de leur déplacement. Certains internautes estiment que le joueur français a battu son aîné Samuel Eto'o en termes de célébrité au Cameroun. Un programme chargé. Le capitaine de l'équipe de France, originaire du Cameroun, est attendu par les autorités camerounaises ce jeudi, dans la cadre de dernière minute / Kylian Mbappé au Cameroun. Yaoundé en ébullition, vidéo fermée les parenthèses. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, entreprend une visite exceptionnelle dans le pays dont il est originaire par son père, Wilfried. Accompagné par son père lors de ce voyage, c'est la première fois que Mbappé se rend au Cameroun. Au cours de son séjour, qui le conduira de Yaoundé à Douala, Kylian Mbappé aura l'occasion de rencontrer les plus hautes autorités du pays, ainsi que de participer à diverses activités récréatives et sociales. À Yaoundé, l'impatience et l'enthousiasme sont palpables à l'approche de la visite de la star du football. Les fans et les admirateurs se préparent à accueillir chaleureusement Mbappé, exprimant leur fierté envers ce jeune talent qui a su briller sur les terrains du monde entier. Les entretiens avec les autorités camerounaises seront un moment privilégié pour discuter de sujets tels que le développement du football au Cameroun, les initiatives de soutien à la jeunesse et les perspectives de coopération sportive entre le pays et la France. Outre ses engagements officiels, Kylian Mbappé profitera également de son séjour pour s'impliquer dans des activités sociales et caritatives. Sa notoriété et son influence seront mises au service de causes qui lui tiennent à cœur, notamment en soutenant des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations locales. Cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun est un événement d'une grande importance pour le pays et pour les fans de football. Elle symbolise le lien étroit entre le joueur et ses origines, ainsi que son engagement envers son pays d'origine. La présence de Mbappé au Cameroun est une source de fierté et d'inspiration pour de nombreux jeunes footballeurs camerounais qui voient en lui un modèle à suivre. Sa réussite sportive et son parcours exceptionnel sont une